parler de la conservation d'un vin ouvert, les bons usages et les bons modes de fonctionnement pour garder un vin frais dans les bonnes conditions d'utilisation. La première des choses qui est économique et pratique, utilisez donc un bouchon stopper de type vacuvin, comme ceci. À partir du principe où vous avez donc une bouteille entamée, vous prenez votre bouchon comme ceci que vous installez sur la bouteille, vous l'enfoncez comme ceci, vous prenez votre pompe, vous pompez jusqu'à résistance maximale et vous sentez, à partir du principe où vous avez à peu près une dizaine de pressions, tout dépend du volume d'air à enlever de cette bouteille, un volume d'air expiré. À partir de là, votre bouteille est conservée. Aux environs d'à peu près 24 heures pour une fraîcheur optimale et maximale. On va donc entendre à l'ouverture de ce vin par rapport à cette oxygénation. Nous pouvons donc retirer ce bouchon et servir à nouveau. Je vais donc ensuite procéder à un autre type de conservation avec quelque chose qui est assez récent et révolutionnaire, et tout simplement l'adjonction d'un gaz neutre à l'intérieur de cette bouteille qui va permettre justement de pouvoir remplacer, puisque ce gaz inerte est plus lourd que l'air, donc remplacer cet air par ce gaz. Donc nous mettons tout simplement ce petit tuyau en plastique à l'intérieur. Pas plus, aux environs de 3 à 5 secondes, tout dépend du volume d'air à remplacer. Et avec un bouchon de type plastique ou tout simplement un bouchon normal, vous remettez votre bouchon comme ceci sur votre bouteille. Là, vous avez une durée de vie beaucoup plus intéressante. Vous pouvez garder entre 3 à 4 jours, voire plus, tout dépend de la fragilité du vin. Une autre technique, le petit truc du sommelier, si vous n'avez pas ces artifices, utilisez tout simplement une demi-bouteille que vous aurez gardée préalablement avec un entonnoir. Là, celui-ci est en état, mais vous prenez un entonnoir plastique, cela fonctionne. Et vous remplacez tout simplement le volume du vin dans un plus petit contenant, comme une demi-bouteille. Et là, donc plus de surface d'oxydation, un volume d'air extrêmement réduit, nous pouvons donc ajouter le bouchon comme ceci. Et là, nous conservons donc notre bouteille de manière optimale aux alentours de 24 heures. Pour terminer justement la conservation d'un vin effervescent, la meilleure des façons, il est bien évidemment le bouchon stopper, auquel nous allons donc installer celui-ci, comme ceci, et installer donc la sécurité pour éviter justement une éjection de ce bouchon. Il est évident que par ce procédé, nous pouvons conserver cette bouteille dans le maximum de sa fraîcheur entre 2 à 3 jours. Ça, c'est l'idéal pour conserver justement une bulle élégante et fringante. À proscrire, bien évidemment, la petite cuillère qui ne sert strictement à rien. C'est une légende. Voilà pour la conservation d'un vin ouvert dans les meilleures conditions.